Hey, salut ma gang de vous autres, bienvenue à Metal Gras. Aujourd'hui, je vous parle de Samsung avec leur album Head On. Principale raison pour laquelle que je vous parle de Samsung, de un, je trouve que j'ai pas assez parlé de NWO BHM dans mon show, puis je suis un très gros fan de ce genre-là. Puis deuxièmement, il y a un certain Bruce Dickinson au vocal. Bruce Dickinson a été chanteur pour Samsung pour deux albums. De cet album-là, puis l'album Shock Tactics qui est sorti un an après. Shock Tactics est beaucoup plus métallique que cet album-là, mais cet album-là a quand même un ton métallique, mais overall, c'est du hard rock. Il y a une couple de tunes qui tirent sur. Ben, qui sont pur Renublio BHM, t'en as une couple qui tire sur le métal. Puis je dirais qu'overall, toutes les tunes ont quand même un petit ton métallique, mais c'est plus hard rock que d'autres choses. Le ton de guitare puis l'overall de la tune et tout me fait penser une petite affaire à Rush. Pas qu'ils sont aussi progressifs qu'eux autres, mais juste pour le son de la musique overall. Puis et tout, même si je suis pas le plus grand fan de hard rock, j'ai adoré cet album-là. C'est dans les meilleurs albums de hard rock que j'ai écouté. Principalement pour le songwriting, les gars sont vraiment bons pour écrire des tunes. Puis et tout le fait que les tunes ont toutes des passes clean pour la plupart, puis ces passes clean-là auraient pu juste adoucir les tunes, mais au contraire, ça les rend plus épiques. Je dirais même que cet album-là a dû influencer certains groupes power metal, certains. Bref, le vocal de Bruce Dickinson, même s'il sonne plus hard rock que ce que vous êtes habitué d'entendre dans Iron Maiden, est quand même poussé à 11 sur certaines tunes, ce qui est vraiment bien. Il chante haut, il a une crise de belle voix, rajoute du charme à toutes les tunes. Puis c'est un album et tout qui a pas vraiment de tunes poche. À part la dernière, Walking On To You, qui est générique, rien de bon, un filler plat pour finir l'album, le reste est quand même très 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 bon. À part une autre tune qui est un petit peu vers le bas cependant, c'est Too Close To Rock, qui est trop proche du simple rock, Too Close To Rock. Un filler qui a des changements de tempo relativement intéressants. Elle explose par exemple à partir du solo, à vous de juger si c'est trop peu, trop tard, via NWBHM pendant et après le solo. Mais pour le reste, on a un album crissement solide. L'album commence avec Hard Times, qui fait penser à du hard rock des années 70, puis fiez-vous pas trop à cette tune là parce que l'album verra un petit peu plus métallique après, mais Hard Times reste quand même une hostie de bonne tune. Après ça, on a Take It Like a Man, qui est, je pense, un single pour Samsung, qui est une tune qui aurait probablement été pure metal, ça aurait pas été du ton de guitare, mais c'est un bon petit riff. Le drum il bûche en salle dans cette tune là puis les refrains sont bons, une des meilleures tunes de Samsung. Après ça, on a Vice Versa. Genre de tune qui vire plusieurs choses. Commence balade avant de virer menaçante, presque doomy, avant de gagner de plus en plus de vitesse. Vraiment intéressant comme trip. T'as Thunderbus, la sixième tune qui est carrément. Ben, c'est Idols of March de Iron Maiden. Je veux dire, dans l'album, il crédite Steve Harris. L'histoire derrière ça, c'est que le drummer, Thunderstick, la peine d'être regardé parce que Thunderstick s'habillait en sadomasochiste toujours avec un masque avec un gros concept pour son drum. En tout cas, ça pour dire qu'il a déjà drummé pour Iron Maiden. Puis Thunderstick dit qu'il a écrit Idols of March avec Steve Harris. Fait qu'il a foutu cette tune là sur cet album là. Puis l'album est sorti un an avant Killers. Fait que il n'essayait pas vraiment de capitaliser sur le succès de cette tune là. Puis je pense que Killers, ils ont pas donné de crédit à Thunderstick pour la tune, fait que ça a comme fait un riff entre les deux bandes, mais peu importe. Ça pour dire que j'aime autant cette version-là que la version d'Iron Maiden. Celle-là, je dirais, est un petit peu plus hard rock, mais plus épique, puis elle, Iron Maiden, bouge plus, mais je les aime les deux autant, fait que si vous êtes un fan de cette tune-là, écoutez Thunderbus, elle vaut vraiment la peine. Après ça, on a Hammerhead qui est du NWO BHM à son meilleur, tout est épique, les bons riffs, Chris dans le bon vocal, rien à dire de plus. Puis la meilleure tune de l'album, c'est la ballade. Des fois c'est un mauvais signe, mais dans ce coup-ci, c'est un bon signe sur l'album. Haunted, la ballade est vraiment, mais vraiment bonne. Surtout pour tout ce qui touche au solo, puis le vocal, là, juste wow. Puis après ça, on a Take Me To Your Leader, qui est un autre ramassis de toutes sortes de choses, mais un crisse de bon ramassis, puis c'est une des tunes, tu sais, que le vocal de Bruce Dickinson monte vraiment haut. Fait que tout ça pour dire qu'overall,
NWBHM a été plusieurs à faire. Il y en a qui disent que c'est un faux terme, que ça veut rien dire, mais il y a un genre NWBHM. Écoutez du Blitzkrieg, écoutez du Samson pour les albums qui sont NWBHM. Et c'est on a un peu de ce genre-là, mais on a un peu d'hard rock. On a beaucoup d'hard rock, une petite affaire de métal. Tout ça pour dire que c'est dans les albums hard rock que j'ai le plus aimé. C'est un bon 8 sur 10. Ça aurait pu être plus haut, ça aurait été plus métallique, mais je me suis crissement pas emmerdé, loin d'être là. Si vous êtes un fan de Bruce Dickinson et tout, que vous avez écouté tous les albums de Maiden puis tous les albums de sa carrière solo, écoutez ça. Bruce Dickinson fait une crise de bonne performance sur cet album-là, 8 sur 10. Je vais juste faire un zoom sur ma grosse face. J'ai été interrompu par le téléphone. Tout ça pour dire merci d'avoir écouté. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Vous, c'est quoi vos albums NWBHM préférés? Mais vous, ce style-là, le connaissez-vous? Dites-moi-le dans les commentaires. Sinon, pour le reste,